Le but de la séance de ce matin, il y a plusieurs buts. Le premier, c'est de se rencontrer. C'est de jouer, de faire des trucs un peu, juste pour laisser sortir un peu les émotions. Le groupe ne se connaît pas, donc le but, c'est que le groupe se connaisse. Aussi, comme c'est pour faire du visuel, essentiellement, on fait en sorte de travailler aussi le focus, c'est-à-dire que le coup des balles, c'était pour qu'on sache ne pas jouer quand c'est quelqu'un d'autre qui joue. Et jouer quand on joue avec l'expression, voilà, que les gens puissent voir sur scène qui joue, clairement. Le non-jugement fait partie du travail. Le but du jeu, c'est d'ouvrir les gens. C'est aussi très caricatural tout ça pour l'instant. On est que vraiment dans le jeu, il n'y a pas de pression, pas de but. En particulier, le but, c'est de créer un groupe et de faire en sorte qu'il soit à l'aise. Six entendants, six sourds. Six entendants. Il y en a qui ne connaissaient rien à la langue des signes. Il y avait des sourds qui ne connaissaient rien à la langue orale. Donc c'est vrai que le premier jour, lundi, Alexandre et moi, on était tous les deux formateurs. Et du coup, on a essayé de s'exprimer en mime pour que ce soit compréhensible pour les deux groupes et essayer de les faire se comprendre. En fait, c'était un peu la même situation que si on avait deux groupes qui parlent deux langues différentes. Donc on est passé par du mime pour essayer d'éviter de prendre un interprète tout de suite pour que les gens essaient de se concentrer sur comment travailler ensemble et sur un média commun qui est une langue visuelle. C'est vrai que le groupe entendant et sourd s'est bien mêlé. L'objectif, c'était de huiler un peu les rouages pour que tout le monde arrive à se comprendre. C'est pas si dur. Moi, je connais rien à la langue des signes, mais en fait, une fois qu'on est d'accord de chacun des côtés pour mimer vraiment, et ni parler, ni signer, en fait, tout se passe très bien. On apprend à bouger notre corps, à s'exprimer à travers notre corps et on apprend à se faire confiance les uns les autres. J'ai été pris dans un spectacle avec des entendants à Paris. Je commence les répétitions en mai, donc je vais enfin pouvoir jouer dans un spectacle. On peut dire que je suis comédien depuis juillet dernier. Donc c'était important pour moi de pouvoir suivre une formation pour jouer correctement. J'ai choisi cette formation parce que je suis moi-même traducteur. Donc je travaille sur le français écrit et la langue des signes, qui sont des langues qui n'ont rien à voir. J'ai 10 ans d'expérience dans ce domaine-là. Après avoir fait du théâtre, je me suis dit, tiens, le théâtre chez les entendants, qu'est-ce que c'est? Et du coup, je trouve très intéressant de pouvoir travailler ensemble avec eux. Il y a une richesse complémentaire, une plus-value, et c'est ça que je cherchais. Vraiment, l'objectif de ces 15 jours, c'est d'être sur scène, proposer quelque chose de bilingue, mais pas deux langues qui se suivent, mais un ensemble qui se suit. Ça a beaucoup évolué. Au départ, on était un peu bloqués, tous, congelés même. Et puis, on s'est tous ouverts l'esprit, ouverts le corps, petit à petit. Et on a réussi à se rencontrer. Aujourd'hui, on n'a aucun problème de communication. On passe par le mime, on est très à l'aise. On arrive même à se faire des blagues et ça marche. Les sourds font des spectacles ensemble, créent des choses, etc. Mais les entendants aussi, mais chacun de leur côté. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des binômes pour se passer d'interprète et réussir à avoir des idées ensemble, etc. Construire. Il n'y a pas de mur entre les sourds et les entendants. On peut le traverser très facilement. On a tous les mêmes yeux et il suffit de passer à travers ça.
Donc là, par exemple, vous avez dit... Bah, moi, je pense lui avoir dit que ce soir, dès que les cours étaient finis, dès que le stage était fini, on irait se faire un petit gueuleton ensemble. Je l'ai invité à manger. C'était ça. Oui, c'est ça, parfait. Et aussi, tu es prêt à m'inviter ? Parce que moi, je ne dépense rien. On est dans un travail artistique, du coup, on parle avec le corps et il y a tout qui passe par là, en fait. Donc, dès qu'on fait tomber les barrières et qu'on sait qu'il n'y a plus de barrières de langue, ce qui a été fait le premier jour, en fait, maintenant, on est dans le jeu. Donc, ce serait des Américains ou des Japonais... Voilà, on est dans le jeu, donc dans le corps, donc on lit complètement chacun par la façon qu'il a de s'exprimer. C'est pour ça qu'il y a des moments, beaucoup de moments où ils ont l'expression libre pour qu'on se découvre aussi dans notre expression personnelle à chacun. Si on enlève les mots et si on enlève la langue des signes, dans le rapport à l'objet, du corps... Qu'est-ce qui nous reste, voilà. Et c'est cet endroit-là aussi que j'ai envie qu'on interroge ensemble aujourd'hui. C'est le travail sur le corps qui est le plus difficile. Créer la conversation avec des pointages. Peut-être qu'effectivement, à la fin de la semaine prochaine, on aura rencontré beaucoup plus de difficultés. Mais pour l'instant, on est plus dans la rencontre, donc ça va. Dès la première journée, il y a eu une compréhension qu'on peut passer par le langage du corps, que c'est un langage vivant et que c'est comme ça qu'on peut communiquer et que c'est comme un germe en nous qu'il suffit d'arroser et d'élever. C'est très intéressant la fusion entre sourd et entendant. Vraiment, on ne voit pas qui est sourd et qui est entendant. On est dans l'échange, dans l'expérience, dans l'apprentissage. On est les uns avec les autres. On découvre de nouvelles personnes, ce qu'on est à l'intérieur de soi, chacun. Quelles émotions on a, on vit ensemble. C'est un parcours ensemble, c'est très riche. Ce matin, on va aller un peu là-dedans. Quelque chose qui va être de plus abstrait, chorégraphique, vraiment un rapport, comment joue la distance avec l'objet, si je me place à côté ou si je me place loin, qu'est-ce que ça raconte d'être dans le ressenti de tout ça. C'est passé trop vite. On est déjà vendredi. Je me dis non, c'est pas possible. Il y a encore une semaine. Il faut vraiment en profiter au maximum. À fond, à fond, à fond. Profiter des personnes qui sont là. Profiter de chacun. On est vraiment un super groupe. En juin, ça fera 3 ans que je suis comédienne. Mais de la marionnette et du théâtre d'objets, c'est très récent. On a fait la pièce Monsieur Wilson avec Mathilde et c'est là que j'ai appris le théâtre d'objets et la marionnette. Un homme dégota ses recettes de cuisine. Au moment de partir, traces dans la neige. Il comprit ô combien la somme de ses souvenirs était immense. La langue des signes, elle fonctionne avec des outils communs au théâtre, et par exemple, le focus. La syntaxe même de la phrase en langue des signes fonctionne par focus. On commence par préciser par exemple la maison, dans la forêt, qui, et ainsi de suite. On élargit ou à l'inverse, on rétrécit. Voilà. Donc déjà un travail sur les focus. C'est quelque chose qu'on utilise en marionnette, puisqu'on cherche à diriger le regard du spectateur. Enfin, voilà. Donc ça, première chose, travail de focus. La deuxième chose, c'est de créer des espaces, en fait. Pareil, le « je », tu, il, ou si on parle de... Donc ça, c'est dans l'espace. Si on parle de deux personnes, je vais dire telle personne, donc on les situe dans l'espace. Voilà, on crée des petits cadres, on crée des petits mondes. Ça, le théâtre d'objets utilise vraiment ça. Alors là, tout à l'heure,
On a dansé avec des baguettes en métal. On devait les faire danser. Ça allait. C'était pas très difficile. J'étais à l'aise. C'était comme la danse, finalement. On faisait bouger les baguettes comme on peut faire bouger nos jambes. Mais hier, la marionnette, c'était plus difficile. Je prends des cours donc de LSF depuis le mois de septembre. Et à la base, c'est pour dans la volonté d'adapter un de mes spectacles en version bilingue français LSF. Et voilà, du coup, je me suis mise au cours, et d'où l'intérêt de ce stage aussi. Et puis bon, bah, tout ça, ça vient parce qu'à Toulouse, il y a une grande communauté sourde, et du coup, on est amené très régulièrement à rencontrer des sourds. Et voilà, c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir communiquer. Donc, il y a une petite évidence comme ça qui se fait à Toulouse. Sur la LSF et l'attrait pour cette langue et cette culture. On est obligé de se regarder, d'être vraiment attentif à l'autre. Là où, entre entendants, on peut être un peu... pas forcément se regarder, parler... voilà, je sais que tu m'entends, donc je parle par là, voilà. Là, c'est vraiment... on est ensemble, quoi. Il y a vraiment une grande, grande qualité d'écoute, finalement. La différence, elle est riche, quoi. Elle est pas... faut pas en avoir peur, au contraire. Voilà. Il faut avoir envie. Voilà, ils ont tous très envie. Ils ont faim. En gros, on va dire que l'objectif principal, c'est d'être à l'aise dans le jeu et de se construire au niveau du rôle. Il y a un mélange entre le monde visuel et le monde du son, le monde entendant. Et voilà, l'idée, c'était de faire plonger le groupe dans le monde visuel, le monde des sourds, de laisser de côté ce monde sonore et de leur montrer qu'ils étaient capables de travailler entre sourds et entendants. Il y a une règle qu'on s'est fixée avec Alexandre, c'est de ne rien juger en fait. Donc on s'interdit de juger les personnes, tout le monde est comédien, tout le monde joue et on reste là-dessus. Il n'y a pas d'idée de jugement de « moi je suis meilleur que lui », on est sur de l'entraide et on essaie d'avancer ensemble. On a d'abord travaillé, qu'est-ce que c'est qu'être sur scène, l'énergie qu'on doit avoir sur scène, et même si on ne fait rien, comment avoir le feu à l'intérieur, le petit dragon qu'on a avalé, etc. Et de l'avoir toujours, jamais lâché, ça comme base. Et après, on a continué sur, comme hier, à essayer d'imiter pour s'approprier différents styles de théâtre visuel. Alors, certains qui vont plus vers la danse, plus vers le mime. Alors, ce matin, c'était la suite des deux jours théâtre visuel. On était plus sur le travail du corps et des émotions. Le regard aussi. Les placements, la spatialité, sans parole. Donc voilà, on a regardé une vidéo... et on devait reproduire ce qu'on voyait sur la vidéo. C'était des vidéos de danseurs ou de chorégraphes. La dernière vidéo sur laquelle on a travaillé, c'était vraiment un travail sur les émotions, une variation d'émotions sur une petite séquence. C'est vrai que quand on a commencé, on n'était pas en même temps. Mais après, chacun avait un esprit un peu différent et je ne sais pas, peut-être qu'il y avait une énergie qui circulait entre nous. Et c'est vrai qu'on a fait des trucs en même temps. Après, chacun faisait son truc dans son coin et on est tous différents, on ne peut pas faire tous pareil. Je trouve que c'est une bonne expérience, en fait.
pas assez de temps, je ne sais pas, je pense plus que c'était un timing parfait. La durée est bien pour une première expérimentation. C'est vrai que c'est la première fois que ça se fait à Toulouse. Et en France, je pense aussi que c'est la première fois que ça se fait. Donc c'est vrai que la durée, moi je trouve ça bien. Parce que pour le moment, tout s'est déroulé comme on le voulait. Tout le monde a l'air satisfait. Je vois que les journées sont longues et que les gens sont fatigués. Mais on voit quand même qu'ils prennent du plaisir. C'est vrai que l'idée, c'est pas d'ennuyer les gens et les garder motivés pour le lendemain. Ça a l'air de fonctionner, ça me semble positif. Peut-être qu'on leur donne beaucoup trop de choses, je ne sais pas. Mais effectivement, pour tout ce qu'on voudrait donner, c'est peut-être un peu court. Et en même temps, là, on est sur de l'ouverture. L'idée, c'est de verser dans du visuel et de commencer un peu cette approche-là. Après, effectivement, si on voulait voir les choses plus en profondeur, pour peaufiner, pour nettoyer un peu le jeu d'acteur et pour travailler un peu mieux, ça serait intéressant d'avoir plus de temps. Mais là, on est sur une formation généraliste. On va travailler maintenant donc sur un binôme. Hier, on a déjà choisi le binôme, donc ça c'est super. On va partir d'une page blanche. Et au chronomètre, voilà, nous on va vous proposer donc 5 minutes. À partir du moment où on a tapé sur le chrono pour le lancer, tout de suite vous écrivez. Est-ce qu'on peut vous demander comment se passe ce début de travail en binôme ? Oh là là, oh bien. Non, non. Voilà. Non, vas-y, toi, dis. Voilà, ça se passe très bien. Oui, c'est vraiment bien. Sur quel thème vous êtes partis tous les deux ? On n'a pas vraiment de, ouais, on n'a pas vraiment de thème encore. On fait beaucoup d'impro et puis on travaille des choses rythmiques là pour l'instant. Moi, c'est vrai que je suis très dans l'humour. J'arrive pas à jouer sans y mettre de l'humour. J'adore ça. Je suis comme ça. Du coup, je voulais en mettre et voilà, on en a mis. Et ça tombe bien parce que moi j'aime bien faire le clown. Et... voilà, c'est un bon hasard. Du coup, le tirage au sort a bien fait son travail. Là, on est vraiment en discussion corporelle pour les idées, la méthode, la construction, sans intervenant. Donc ça prend du temps. Mais c'est intéressant de voir comment on tisse doucement... l'histoire et puis le travail, quoi. Là, c'est le tout début, donc vraiment, voilà, on essaye d'être le plus clair possible, prendre le temps. Oui, c'est exactement ça. Tout à fait. C'est très bien dit. Il faut qu'on arrive à rester en relation, se sentir bien l'une avec l'autre. Voilà, comme tu dis, on s'appréhende et on va réussir à bien s'entendre et être en fusion l'une avec l'autre. Très bien, parce qu'on est tous les deux assez ouverts par rapport à l'autre et aux propositions de l'autre. Donc c'est vraiment agréable. Il est quelqu'un de très tendre pour travailler. C'est super. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une réelle entente. Nos expériences s'accordent. On est d'accord sur tout. On est dans la découverte. On est vraiment dans la proposition. Et on prend chez l'un, chez l'autre, et on arrive à se mettre à la place l'un de l'autre.
C'est un peu difficile parce qu'on a des envies différentes et il y avait déjà des idées de part et d'autre et on essaie de jouer en mettant en parallèle tout ça. Et au moment d'improviser, en fait, nos idées ont disparu et on est passé sur d'autres idées grâce au travail ensemble. On est arrivé à une nouvelle idée. Sur ces deux semaines, je dirais amitié, une belle union. On a travaillé avec sérieux, il y a eu de l'écoute, de la cohésion, on a travaillé avec motivation. Pour résumer tout ça, humain, ouverture, émotion, expression de l'émotion, pas de différence et satisfaction. Union sourd et entendant, complémentarité, humain, générosité, sourire et émotion. Partage, échange, de la compréhension, beaucoup de compréhension, plein de surprises et puis beaucoup de sueur. Satisfaction, union,
on s'est bien entendu. Émotion. Moi, je dirais régal, déjà, régal. Découverte, échange, partage. Et puis, plaisir, bonheur. Fin... Exigence, bienveillance. Bonne rigolade. Échange et richesse. Rigueur, camaraderie, savoir-faire, travail et bienveillance. Plongée, bienveillance, jeu, plaisir, technique.